Eh bien, le bonjour. C'est parti pour... tout simplement... quelques parties. Je vérifie un petit peu les détails. Voilà. Tout simplement. Tout est bon. Le son a l'air bon. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, c'est le cas. Attendez, je check un petit peu. Voilà, pour avoir le chat quand même en visu, en visuel, pardon. Parfait, parfait. Allez, place à la première partie, hein, sans trop tarder. Allez, je vais apprendre... encore à étudier un petit peu mes items et autres. Hey! Ah ouais, ça fault, hein, comme tu dis. Voilà, ça fault bien, X-Fay. J'étais juste en train de changer de veste, sinon je risquais d'avoir trop chaud. Parce qu'on va transpirer aujourd'hui. Il y aura du sport. Alors... je dois encore étudier les cartes, hein. C'est vraiment que je n'ai pas du tout de connaissances par rapport à... par rapport aux différents items plutôt. Je parle de cartes comme si c'était Paragon. Non, non, c'est vraiment les items. J'ai un peu de mal, quoi. Mais bon, voilà, ça va venir, hein, à force de m'habituer à ça. Ça, c'est intéressant, non, pour... Ouais, pour un ADC. C'est un starting item. En plus, c'est marqué, hein, starting item. C'est vraiment les items de début. C'est ça. C'est bon quand même de tenir compte de ça. Début de partie. Puis après, on peut être dans les items de... les items un peu plus costauds, on va dire. Physical power. Alors, je vais juste aller dans réglages. On va enlever ça. Apparemment, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de floutage sur les textures, sur les héros et tout ça. Voilà, si ça change vraiment quelque chose. Alors j'espère que vous êtes en forme, hein. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, X-Fay. En espérant que ici, je vais pouvoir vendre du rêve. Et que mes mates aussi pourront vendre du rêve. Ça, c'est des items trop élevés, c'est hyper coûteux quand même. Hein. Les items sur le plan physique. Ici, c'est quand même marrant. Hein. Ça te donne de la puissance. Et... de la réduction de temps de cooldown de vos compétences. C'est qui tape sur le physique et qui a des compétences. Ça peut être intéressant pour des caméras ou des choses comme ça, non? Si je dis pas de bêtises. Attendez. Je regarde un petit peu. Dans le casting présent, qui pourrait bénéficier le plus de ça? Un ADC? Non, enfin, non, pas vraiment d'ADC qui gère... par exemple, si j'ai Grimm, ce serait bien si Grimm était là, pour profiter de ça, justement.
Donc ici, si je vais en déplacement, il y a ça, ceci évolue en ça. Mouvement speed, attack speed. Et puis après, directement, on va chercher les dégâts. Je revois un peu hein, mes schémas de jeu. C'est ça. Ok, deux pistolets pour ça. Ok. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Faut éviter de vendre les items hein, pendant que l'on joue. Ça évite pas mal de soucis justement pour devoir dépenser ses points, ses gold et tout ça pour acquérir des items. C'est l'erreur que je faisais. Mais bon, après on prend vite l'habitude, hein, on prend vite le pli à force de jouer et tout ça. Ça devient un peu logique. Certaines améliorations et autres. Commence à comprendre. Allez comprendre. Ah! Ah ben voilà! On n'a pas attendu si longtemps finalement. Ça fait plaisir ça. Bon, allez. Allez, première partie de la journée. Pas certain que je sois au top, mais. Ça aura au moins le mérite d'être lancé. Alors je suis le deuxième de la draft. On va voir un petit peu qui prend quoi. Donc on en a déjà un offlaner qui se propose. Donc, on oublie de partir avec Greystone. Alors, qu'est-ce qu'Hydrax va faire? La jungle, j'évite pour l'instant, parce que je connais pas la rotation. Donc, on a support. Si je prends AD, alors je pars sur... voilà, je pars sur elle. Sur Sparrow. Même si je manque un peu d'agressivité, il faudra bien que ça passe à un moment ou à un autre. Il faudra bien que j'y arrive. Hein. Au moins, si je ne feed pas et que je farme bien, même s'il y a le manque d'agressivité, et que je joue mon objectif, c'est-à-dire celui de prendre les tours, c'est déjà un bien en soi. Après, on verra le reste. Hein. Ça va se rajouter au fur et à mesure. Ah, ça a dodge. Ça a dodge, hein. J'ai entendu le bruit. Ouais. Ah! Dommage! C'est dommage. À mon avis, ça a dodge en face. Je pense que ça a dodge en face. Voilà, on va relancer tout ça. Et on va aller étudier encore une fois de plus nos items, parce que ça a l'air un peu... Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais une fois qu'on a compris les items, je pense qu'on peut les équiper de manière plus efficace. Ok. Si je dois commencer avec Greystone, qu'est-ce que j'avais fait encore avec Greystone? Je me souviens plus. J'avais été dans. C'était le starting. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut. Ça, on peut prendre? Non. Non, non. Est-ce que j'avais pris ça? Je crois que j'avais pris un truc du genre comme celui-ci. Je crois que j'avais pris cet anneau. Puis après. Je pourrais à la limite combiner avec ça, mais bon, voilà. Je pense que j'étais parti avec l'anneau. Puis, j'ai été avec donc l'anneau. Puis après, c'était quoi? Ça, je pourrais, à la limite, je pourrais prendre aussi hein, la prochaine fois. C'est chiant, off. Puis ensuite, en solo lane, quoi. Puis ensuite, je pense que j'avais pris ça, non? Non, j'avais pris ceci. C'était l'évolution de l'anneau, ouais, c'est ça. Et puis après... On peut aller là-dessus en tant que off. Et ça, c'est quoi ça? Non, ça, j'ai pas besoin. Ça peut être pas mal. Mais je pense que j'avais pris. Attendez, un truc qui ressemble à ça. Je crois que j'avais pris ceci. Et c'est en fonction, en fait, toujours de l'adversaire. Hein, des adversaires, si. Voilà, je le redis à chaque fois, mais c'est important toujours de retenir. En fonction de l'adversaire, s'ils sont plutôt à frapper sur le spécial. Avec des personnages comme Gideon, en magie, pardon, comme Gideon, Gadget, etc. Si c'est une équipe comme ça, on fasse une composition fort axée sur du DPS magique, bah alors là, on va vêtir des énergies, armure, etc. Donc si je peux jouer solo lane, moi ça me va.
ce serait vraiment bien. J'irais sur Greystone, hein. Parce que, comme j'ai pu l'entendre, et je pense que, enfin, je suis d'accord avec ça, c'est que le nouveau personnage qui vient d'arriver, c'est-à-dire Hector, est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans la jungle. Aussi, je trouve que là, il peut vraiment développer tout son potentiel pour grab, faire du contrôle, etc., sur les lignes, et aider ses mates, faciliter les kills, et sécuriser un petit peu les progressions de ses mates sur les voies. Ça peut être pas mal. Maintenant, pour l'instant, pour moi, le solo laner qui serait bien s'il venait à se rajouter dans le cast, c'est Feng Mao. Si Feng Mao pouvait venir. Mais sinon, il y a Feng Mao. Non, je peux l'acheter, pardon. Feng Mao est là. Attendez, je confonds. Donc, oui, Feng Mao, voilà. Il n'est pas encore là. Non, c'est Quang. Voilà, Quang que je peux acheter. Je peux acheter Quang. C'est lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est assez intéressant en solo lane. Ce serait bien que je puisse le prendre, le récupérer, parce qu'il a, il a quelques moves quand même hyper. En tout cas, de mémoire, il a des. Voilà. Il jette son épée, il a ses éclairs qui sont pas mal. Dégâts énergétiques, ouais. Canalise, pardon, les énergies. Il peut être bien là, Quang. Je pense que je vais pas tarder à le débloquer. Et Feng Mao, c'est le pour moi, c'est le boss. C'est le boss, hein. Moi, je le kiffe. Il est dur à jouer, il est exigeant, c'est vrai. Mais il fait le café, quoi. Ah, il est sur prédécesseur, par contre. Voilà, il faudra attendre prédécesseur, pour le coup. Donc, bon, espérons qu'il ne tarde pas à sortir, hein, prédécesseur. On verra bien, hein, ce qu'il en est. Bon, allez, on va continuer un petit peu à étudier tout ça, toutes les maps, les cartes, les items. J'allais dire encore cartes. Alors ici, ça donne physical armure, énergie armure. Ouais. Alors, si je vais dans support, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, parce que je suis susceptible de jouer support. Hein. Alors du coup, si c'est support, alors j'irai sur... comment il s'appelle le héros Allez. J'ai sa tête, mais lui. Allez, j'oublie son nom. Steel, voilà, Steel. Oh, pourtant c'est facile. En support, c'est plutôt Steel. Et j'ai été infâme dans une des parties, que malheureusement on a perdu. Mais j'ai été infâme, parce que je faisais que des body blocks. J'étais en train d'ennuyer le carry en face en l'empêchant de faire son farm correctement, puisque je mettais à chaque fois la fameuse barrière pour l'empêcher de pouvoir toucher les minions et farmer correctement. C'était assez drôle à voir. Allez, c'est parti. Comme quoi, l'étude des items. Oh, il faut que j'arrête de dire carte, on n'est pas sur Paragon, quoi. Oh là là. Ok, ça c'est la nostalgie qui remonte en moi, c'est pour ça. Alors, ici, on a un jungler caméra. Ok, valide. On a un mid, parfait. Alors, je pense, sans prétention, proposer en tant que Greystone. En solo lane. Et alors, on va voir un petit peu si ça dodge ou pas. Alors. Ok, ils sont en train de réfléchir. Oh, mais c'est pas possible. C'est chez nous que ça dodge. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces mecs qui lancent des games et qui dodge après, quoi? Moi, je comprends pas. Du faux espoir, là. On va en avoir, je pense, aujourd'hui. Allez, ça fait rien. On retourne à notre étude et analyse des items. Ah, j'ai réussi à dire item pour la première fois de la journée. Bon. Voyons voir. Vol de vie. On va voir dans vol de vie quelle carte on a. On a ça. Ok. Physique. Ouais, c'est cher. Oh, c'est extrêmement cher. C'est des items de fin de game, ça.
C'est hyper coûteux, quoi. Celui-là, il est un peu plus, on va dire, à notre portée. D'accord? On peut l'équiper assez facilement, mais le reste, pour vol de vie, on est sur des grosses fortunes, quoi. Alors, chance, coup, critique. Enfin, il faut être voilà, bon dans le farm. Alors, ici, on a donc un critical chance. Ça, on peut carrément l'équiper. Mais c'est aussi très cher, très coûteux. Hein. Chance de coup critique. Hein. Je vois. C'est hyper coûteux, quoi. Movement speed, attack speed, critical chance. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Mais c'est tout aussi cher. Attendez, je ferme quand même ma petite... Voilà. Ouf, un petit pull, là. Une petite jaquette. Ça caille. Bon. Voyons voir. Coup critique. Ah ouais, non, c'est des items de fin de jeu. Oh, chance de coup critique, je pense pas qu'on va aller le chercher assez rapidement. C'est plutôt vraiment à la fin qu'on met des chances de coup critique. Parce qu'au début, c'est un peu trop cher payé. Surtout si on n'a pas investi en vitesse d'attaque, quoi. Je pense que c'est indispensable, effectivement. Je l'ai entendu et à maintes reprises et à juste titre. L'importance de justement avoir du déplacement. Surtout pour un ADC. Hein. Je pense que c'est indispensable d'avoir des bots pour se mouvoir assez aisément entre les, enfin, sur sa ligne et pouvoir échapper au gank. Parce que c'est souvent qu'on est la cible. Hein. Oh, c'est trop cher. On est dans vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque est très chère aussi. Hein. Donc limite, les moins chers, c'est attaque. Quand on se focalise sur l'attaque, on est limite dans quelque chose de... Voilà. Ça reste correct. Oh, tu peux entrer dans le plan de plat... Attends, le plan... Attendez, je vais y arriver. Je suis choqué, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à dire correctement, pardon. Le plan des ombres avec cette map... Enfin, cet item... Je galère aujourd'hui, c'est le matin encore. C'est ma première partie. C'est pas le matin, c'est l'après-midi. Mais c'est encore ma première partie. Je galère encore un peu. Mais c'est pas mal du tout, ça. Si on peut disparaître par moment pour échapper pendant 3 secondes, mettre un peu de guac dans tout ça. Ça peut être pas mal, ça, si on doit jouer assassin. Kalari, par exemple. Ou même Countess. Hein. Countess. Ok. Puis ça, c'est assez facile à obtenir, je trouve. Ouais, oui, cet item me choque. J'aime bien ça. Ce côté... ouais, ce côté dégâts, le fait de disparaître, mettre un peu de guac. C'est tout bon. Ça me rappelle un peu Wraith. Ce sniper-là qui pouvait disparaître. Je sais pas si vous vous souvenez, sur Paragon. Il était assez intéressant parce qu'il avait... des compétences pour avoir justement de la visibilité avec ses spells. Et en plus de ça, il pouvait disparaître. Et donc si en même temps vous avez ceci comme item, ça peut faire le café, quoi. Si jamais il est amené à exister un jour, hein, sur Fault. Cet item pas très cher, je trouve. Pas si cher que ça. Très bel item. Storm Quiver. Celui-là aussi, il est très bien. Je trouve qu'il y a des bons items ici en force. Hein. Non, mais la vérité, quoi. C'est des bons coins. C'est des bons crus, quoi. Bons items, pas trop chers, en plus. En tout cas, il y a le choix. Hein, pour être solo, PV, dégâts. Mettre peut-être une armure, là, pour ne pas trop mourir vite. En fonction de son vis-à-vis, c'est pas mal. Alors ici je trouve que c'est les jeux de cartes les plus insane qui soient. C'est en énergie, en dégâts magiques, quoi. C'est moi je suis toujours autant abasourdi et choqué par leur accessibilité au final. Hein. C'est pas si cher que ça. Si tu farmes bien, tu peux être vite bien, quoi. Bien puissant. Avec un bon petit gide, par exemple. D'ailleurs,
On va regarder un petit peu Gideon. Est-ce qu'on on a des spells qui ressemblent à ce qu'on a connu? Une comète? Droit devant et passe à travers les sbires avant d'exploser au sol sur les héros ennemis lorsque elle atteint. Oh, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est pour fuir ça. Gideon. La comète Rift. C'est, même le nom est stylé. Cosmic Rift. Et le Black Hole. Ça, je vous fais pas de description. Hein. Celui-là, bien mené. Souvent, c'est des gides qui... Alors, c'est stylé l'animation. Hein, donc, il lance son, son portail. Il se met juste en l'air, au-dessus de tous les adversaires pour être hors portée. Et juste derrière, bam! Vous avez le black hole qui est activé et c'est tellement violent. Ah, c'est un passif ça. Ah ouais. Attendez, peut-être que je dis de la merde. J'avais la... Oh, c'est pas mal le Gide. Le Gideon, c'est pas mal ça. Mmh. Voyons voir. Ok, je suis le dernier. Non. Ah. Bon, il reste plus que AD, ADC et support. On va d'abord les laisser choisir, de toute façon on peut rien faire d'autre. Allez, pour pas de... Ah, il y a un jungler. Comment ça jungler deux fois? Non. Non, il y en a une de vous deux, Bellica ou Gadget, ira en... Ira en jungle, mais on a déjà un jungler. Ira en mid. Un de vous deux ira en mid. Hein. Soit le lieutenant Midka et Gadget, il faudra soit devenir voilà, changer et devenir sup. Mais, parce que le lieutenant Birika ira au mid. Ça, c'est certain. Et donc Gadget, ouais, bah, Gadget pourrait dodge en fait, la vérité. Ça pourrait être embêtant. Mais on va verrouiller gentiment Sparrow. Ouais, je pense que ça va dodge. Hein. Chez nous. C'est ça, hein? Surrender, ouais, c'est ça. Ça va dodge. J'ai l'impression. Allez, voyons voir. C'est quoi, ça? Ouais, c'est vrai que la compo, là, n'est pas opti, hein. Enfin, si! Mais Richter pourrait... Ouais, non, jungle. Ouais. Richter en jungle, c'est meilleur. Ouais. Bah, pff, la compo, elle est pas si mauvaise que ça. C'est juste que je suis seul, quoi. Ouais. Là où en face, il y a un support, moi, je suis seul. Donc, c'est un peu... bon, ben, on va voir hein, ce que ça va donner. Mais je suis pas très à l'aise. Parce que j'ai pas de support, en fait. Richter pourrait... Non. Non, non, non. Richter, on va le laisser tranquille. En jungle, il est beaucoup plus... beaucoup plus efficace, il pourrait être plus impactant. Alors on va aller sur King et King, c'est quoi? Gold et Ace. Ouais. On va faire ça. Ensuite, on va aller dans l'inventaire. Recommande, non, starting items. On peut prendre ça. Et puis si je peux prendre une petite popo, moi je dis pas non. Voilà. Et ensuite, pour m'aider pour le farm, comme je suis un peu mal au niveau de... comment dire? Au niveau de la visée, j'ai un peu de soucis, quoi. Avec la visée, j'ai pas encore l'habitude. Bien, on va donc prendre la compétence de flèche pour pouvoir m'aider à bien, au moins, gérer l'élastite. Alors, on va essayer de mettre une visibilité. Normalement, c'est un support qui est censé... Mais dépanner là-dessus, mais fort de constater que... Attendez, pas trop loin quand même. Voilà. Que j'ai pas support, je vais devoir rester seul sur ma ligne. Je vais... voilà. So sup, just logic, va barrer. Ah oui.
Le problème, il est là, c'est que je suis tout seul. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, bonjour la cohérence. Je vais essayer de freeze. Et non pas de poke. Voilà. Je vais me faire prendre par deux mecs énervés. Bon, j'ai pas d'autre choix que de. Voilà. Attendez, je vais essayer de. Ah! Si je rate Last Hit en plus, j'ai pas le choix. Voilà, ils sont à 2 contre 1, donc mon farm, ça va être un peu compliqué. Parfait. Ça va être un peu compliqué. Je vais devoir un petit peu, voilà. Tempo, me mettre derrière les minions, éviter de me faire. Voilà, poke. Ah! Pas que je me loupe là. Non, non, ça va. Non, 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 non. Reste calme, reste calme. Il me touche, c'est pour pouvoir attirer les minions vers lui. Et ça, c'est bien joué. Attention, hein, mes minions piquent bien au début, hein. Parfait. On va essayer quand même, malgré tout, de, voilà, d'esquiver un peu. Hop là. Petite popo, on claque. Hop. Alors, si je suis seul sur ma ligne, je trouverais ça logique qu'ils viennent quand m'aider, au moins pour gank. Mais le problème, c'est que personne ne vient gank. Vous voyez, non pas seulement je suis seul, mais personne ne va venir pour. Pas de problème. Tu peux tirer, tu peux tirer. Voilà, je suis seul, ça va être compliqué de défendre ma ligne, mais. Ils sont mal positionnés, hein, mais je peux toujours rêver si je veux avoir de l'aide. Vous voyez, ça j'adore, ce côté. C'est de l'humour, hein. Ce côté où, voilà. Vous êtes là, vous galérez, parce que. Parce que vous n'avez pas de support. Et quand vous avez des supports, ils vous empêchent de farmer. Donc, à la limite, c'est même mieux d'être seul, mais alors. Le problème, il est là. Voilà, le problème il est là, c'est que vous êtes seul, mais en plus de ça, vos mates ne viennent pas, quoi. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ici, je peux pas farmer, quoi. C'est. Voilà, je suis blessé, je risque de feed. Il est bien, il est bien. Compo pourri. Jusqu'au bout, il va farmer, je peux rien faire. Je ne peux vraiment rien faire, à part ça. Voilà, raté. En plus, il est super mauvais pour son stun. Voilà, je vais attirer, hein, comme ça, les minions. Hein. Voilà. Je sais pas comment j'arrive encore à survivre, hein, les amis. Parfait. Ça pique un peu quand même, hein, non? Oh là là, bon allez, on va back. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même avancé ma ligne correctement. Voilà, je ne sais pas. Faut pas me demander comment je fais, mais pour l'instant, je comprends pas pourquoi je ne meurs pas. C'est pas normal. Alors, est-ce que je peux pas évoluer cet item? On va aller chercher des. Attendez, de la. Non, du déplacement. Allez! Voilà, déplacement. On va aller prendre des bottes. Voilà. C'est bon, j'ai acheté. Parfait. On est bien, hein? On est bien là avec nos bottes, ouais. Et on va aller retourner sur notre ligne. Donc, je comprends pas ce que font nos mates. J'essaie de voir un petit peu. Nos coéquipiers, je comprends pas. Ça fait 5 minutes, pas de kill. Pourtant, ils ont tous pris leur perso de cœur. Mais. Ah, tiens, il n'y a plus personne. Alerte. Comment je fais pour valider? Alerte. Attendez, je ferai ça après.
Parfait. Ils étaient partis, je ne sais où. Ah, j'ai plus de vision. Voilà, on attire un petit peu les minions. Allez, il est mal placé, c'est pas possible ça. Le mec, il est mal mis, quoi. Pourquoi personne ne vient sur lui? Attendez, hop, on va mettre un peu de vision. Voilà. Parfait. 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 Oh là là, je commence à la voir là. Non, on l'a, il a vu, il avait la ward évidemment. Mais oui, c'était trop trop vu là. C'était cramé les gars. Ah mince. C'est cramé vos ganks là, pourris. Oh. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Merci. Hop là. On se repositionne. Et on va pouvoir back. Bon, j'ai pas pris de kill. Mais moi, je prends. Ok. Ensuite. Est-ce qu'on peut évoluer quelque chose ici? Oui, on peut aller chercher ça. Acheter. Parfait. Ensuite, on va aller chercher, hop, des dégâts. On va prendre le pistolet. Voilà. Et let's go. On y retourne. On a de la mobilité. Allez, Sparrow. On va aller sparifier notre ligne. Ça ne se dit pas, mais... Alors, j'ai besoin de vision, par contre. J'ai envie de dire ça, c'est tout. Attendez. Hop. Hop, hop, hop. De la vision. Ah, j'ai pas. J'ai plus de... Enfin, je dois attendre le cooldown. Parfait. Alors, hop. J'ai même pas fait mon ulti, en fait... lors de la team fight. Ah, il est revenu avec son mate, qui dormait, hein, mais qui de nouveau est en forme. Ah là, il va tenter son petit... Qu'est-ce qu'ils font? Non. Ok, on va le laisser, hein. La ligne va revenir vers moi. Hop, 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 hop. Attendez, on va prendre la ligne ici, on va freeze. Merde! Comment j'ai pu rater le... Mince. Ah, j'oublie toujours d'évoluer mes faveurs, moi. Bon, écoutez. Voilà, on va monter la ligne. Hein. J'ai pas beaucoup de vision, attendez. Mais ils attaquent pas. Ils attaquent pas mes mates. Ils désengagent et tout. Je crois qu'ils vont... J'ai à chaque fois l'impression qu'ils vont attaquer, mais... Attendez, on va décaler. Je vais mettre la vision ici, je peux en profiter.
An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ah, j'ai raté mon spell. Dommage. On va monter la ligne ici. Oh, j'ai raté mon spell là la dernière fois. Non. Ok, je vais back un petit peu. Quoique. Bon, je vais back, hein. Les lignes sont assez hautes. On pourrait même en profiter pour faire des raptors ou quoi, hein. Ouais. Je vais d'abord voir un petit peu ici. Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, c'est cher. Bon, on va aller prendre ça. Acheter. Parfait. Et je peux prendre... attendez. De la vitesse d'attaque. Hop, on va voir. Hein. La vitesse d'attaque... Ah, c'est extrêmement cher, ça aussi. Je vais augmenter ma faveur. Vitesse d'attaque. Attaque speed. On va prendre ça. Voilà. Un peu de vitesse d'attaque. Ouais, c'est par ici que je dois aller. Je savais plus dans quel sens me orienter. Oh là 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 là. Allez, allez. Allez, il faut aller rejoindre ma ligne. Est-ce que je peux mettre une vision? Non. Une balise plutôt. Oh, le grappe! Oh non! Oh dommage. Attendez. Attendez. An enemy has been slain. Parfait. Bon, j'ai pas eu le kill, mais... Attendez, hop. Parfait. Bah, il devrait m'aider, non? Eh merde, ouais, il devait m'aider. Il va défendre sa tour, ouais. Tu devais m'aider, mon pote. Je sais pas pourquoi il a freeze comme ça pendant un moment. Ah! Il a déconné. Attendez. On a quand même une bonne vague là, non? Ah, c'est... Il a des push, oh mince. Attendez, hop. On va reculer un petit peu. Attendez, il y aura peut-être... Ouais, je vais farmer un petit peu. Il est de retour, notre ami. Et en plus, avec son copain. Avec ses trois copains. Je vois style entre les lignes aussi. Oh non. Hop, hop, hop. Voilà, hop là. C'est pas normal que je sois... Attendez, je vais attendre ici. C'est pas normal que je sois autant, voilà, embêté. Mais il faut venir. Oh là 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 là. Ils sont tellement mal positionnés et ils sont tranquilles, les mecs, quoi. Les mecs sont tranquilles, quoi. Ils me gankent et tout, enfin, c'est... Sur ma ligne, c'est dingue. Heureusement que je reste en vie, hein, mais ils sont mal mis, quoi. Ils sont tellement mal mis. Allez, il faut juste un paye en plus. Allez, juste un. Juste un sur ma ligne. Oh, mais non, Rictor, viens pas comme ça. On te voit arriver comme le nez au milieu du visage. Ah, le mignon qui... qui poursuive. Faut que je prenne la tour, hein. Ah mince, je rate mon last hit. Qu'est-ce qu'ils font là? Aïe 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 aïe. Attendez, je vais monter la ligne pendant que mes mates se battent.
C'est parfait. Si je peux battre, c'est encore mieux. Magnifique. Magnifique. An enemy has been slain. Voyons voir. On peut l'évoluer en ça. Physical PD. Oh oui. Là, je crois qu'on va commencer à faire un peu mal, quoi. An enemy has been slain. Oh là là, on est bien dans la partie, là, non? allez, on va monter le mid. Enfin, on va participer, plutôt. Au mid. Allez, allez. Faut que je vienne. Je suis pas assez présent. Enemy tower destroyed. Ah, là, c'est gratuit, hein. Bien joué, ça. On fait la prime, hein, ouais, c'est ça. Non? Ah, elle est pas encore là, la prime. On prend même leur farm, quoi. Allez, Gadget, tu viens? Non. Ok. Mets de la vision ici. Est-ce que je peux prendre un farm? Si on peut faire un raptor, mais... J'ai pas l'impression que mes mates vont me suivre à faire ça. On n'a pas de jungler ou quoi? Je comprends pas. La jungle n'est pas quasiment pas faite. Hop là. An allied tower is under attack. Ah, j'ai failli prendre toute la vague. C'était une première. Ah, lui, il s'est loupé, lui. An enemy has been slain. Ok. On fait l'attaque mid, ok. Oh, ça joue bien chez nous, hein, punaise. Il fait le camp adverse, hein. Notre mate ici. Ah, ah! Pourquoi je suis parti, là? Ouais, ils sont tous groupes au mid. An
Ok, je vais aller à gauche. Parce que sinon, je perds ma tour. Mais ils n'ont jamais... Voilà, c'est ça. Ils n'ont jamais été embêtés. Hein. Je comprends pas comment ce carry arrive encore à... voilà. À rester en partie. C'est tout simplement parce qu'on le... On l'embête pas, quoi. Oh là là, on est en train de mettre un 14-0 tout mouillé. Le jeu peut vite tourner au vinaigre. Hein. Allez! Oh purée, je rate complètement mes lastites, c'est violent. Attendez, je vais monter ici, dépêche ici, puis aller participer. Oh là là, ça croustille. Je vais y aller. Ça croustille tellement que je dois y aller. Parfait. Ça, c'est de l'agressivité, hein, comme je les aime. Je peux me le permettre. Je peux me le permettre, ouais. Je peux me le permettre. Hein. Le kill, là, ils s'y attendaient pas, derrière leur tour. Oh là là. Ça fait plaisir. Allez, hop. La Prime, c'est ça? Oh, je connais pas la map, là. Je suis en train de me perdre. Attendez, on va... Voilà, on va... Hop. Et voilà, hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas facile à la stite à la banette, mais derrière, on les a quand même eus, hein. On les a quand même eus, finalement. Mais c'est vrai que... il faut s'habituer. Je commence un peu à comprendre maintenant le, comment je dois me concentrer pour viser juste. Donc, je dois voir le mignon qui est en surbrillance, en fait. Qui a un contour surbrillant, ça m'aide en fait à... En jaune, hein, il brille en jaune et ça m'aide en fait à pouvoir me concentrer sur le farm. Alors j'ai un farm de 85 ici, le ADC en face était à 100, ouais bah oui. À 100, à 111, il était meilleur que moi en farm, mais je pense que c'est à peu près tout quoi. C'était un peu une game compliquée pour lui, mais il faut dire que chez nous, voilà, c'était très performant. Hein. Quand on voit le tableau ici... ouais, il n'y a rien à dire. Mes coéquipiers étaient là. Ils répondaient présents et c'était beau. Et comme je suis le seul carry à ne pas avoir feed, ça a facilité les choses, quoi. Ah, et retour aux items. Alors, je pense que midlaner, c'est pas pour aujourd'hui qu'on jouera à ça. Puisqu'il y a énormément de mid hein, dans le jeu. Beaucoup de midlaner, je veux dire. Beaucoup le jouent, donc du coup, on n'aura pas l'occasion de le faire. C'est bizarre parce que Kari, je pensais que ce serait prisé dans le jeu, mais visiblement, pas beaucoup de gens jouent Kari. Comme quoi, je commence à avoir un peu l'habitude. Hein. Pour... pour les cartes, enfin pour les items en fait. Je commence vraiment à m'habituer un petit peu aux items.
à force de les étudier, hein, et de comprendre leurs effets et leur avant-évolution en fait. J'arrive pas, allez, j'en reviens pas quand même. J'ai réussi à survivre à une partie alors que je n'avais pas de support. Je savais pas que c'était viable. Vous avez remarqué, hein, j'étais quasiment solo laner, quoi. J'étais seul. J'étais seul contre deux zigoto, quoi. Twini et Narbash. Donc le carry en face n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse de pas avoir pu... En plus, au niveau du farm, il était bien au-dessus de moi. Parce qu'il était bien aidé, mais derrière, faut bien croire que c'était compliqué pour lui, quoi. Dommage, hein, parce que moi, si j'avais un Narbash qui était aussi performant, parce qu'il jouait bien le Narbash en face, hein. Bon, il ratait quand même quelques fois sa massue qui stun, mais il était là, quoi. Il protégeait, il redonnait de la vie. Ah, tiens. J'ai reçu une requête. C'est vrai qu'un AD... qui ne crève pas des masses, ça peut paraître assez inhabituel. Attendez, je sais plus avec qui j'ai joué. Est-ce que vous avez retenu un petit peu les mates qui étaient avec moi, le pseudo? Est-ce que lui était avec moi, le Peacekeeper? Parce que si c'était le mec en face qu'on a déglingué, moi je préfère ne pas... Je préfère ne pas accepter la demande d'amitié. Hein. Ceux de mon équipe, c'était bien. Ça jouait, quoi. Ils faisaient des bons choix et tout. Mais si c'est pas ça, bon, on tient pas compte. Tant de voir dans le chat si vous vous souvenez ou pas de qui c'était. Voyons voir. Ça m'a bien aidé, hein. Cet item-là était magnifique, hein. J'ai pris ça et une potion. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis après, si je me rappelle un petit peu, j'ai été avec les bottes ici. Non, les bottes là. Et ensuite, je les ai améliorées. Ça m'a bien aidé à pouvoir justement éviter de me faire avoir, hein. Parce que en étant seul en début de partie, je donnais pas cher de notre peau, mais en plus de ça, vous avez vu dans le chat, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu en mode critique à mort, en disant ouais, n'importe quoi la compo et tout. C'est vrai que en termes de, même moi j'ai critiqué parce que j'avais pas de support, mais finalement tant que je suis resté en vie, heureusement, et c'est ça qui a, je pense aussi joué, quoi. Parce que si je crevais en boucle et que je nourrissais le duo des cocos en face, parce qu'ils avaient tout pour me ruiner la game, eh bien, on n'aurait pas eu peut-être cette partie tranquille, quoi. Pas au début. Au début, c'était tendu, quand même. Mais on a fait un 16-0 ou 17-0, je crois. C'est violent, ça, quand même, quand j'y pense. Bon, allez, je suis le dernier de la draft. Il n'y a pas le feu. Ok, on n'a pas de solo. Je vais pouvoir aller sur Greystone. Hein. En attendant que l'adversaire valide, s'il ne dodge pas avant. Donc il nous faut soit un support. Kalari. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, j'ai Greystone. Comment ça? Ah, ok. Rictor va aller en sup. D'accord. D'accord, ok. Très bien. On va voir, hein. En face, il y a du Gide. Où nous, on a Gadget, c'est quand même plus fort, je trouve. Parce qu'elle, voilà, elle ne subit pas. Elle ne subit pas le fait de, voilà, d'attaquer l'adversaire en même temps et d'être vulnérable. Parce que quand, n'oubliez pas, hein, quand Gideon utilise son ulti, ce dernier reste vulnérable, je pense. Hein. Une fois qu'il claque son ulti, donc
C'est quand même cher payé pour réduire à néant les adversaires. Je pense que j'ai assez de points pour acheter un personnage. Alors voilà, je vous laisse le choix dans le chat de me dire hein, quel personnage vous me conseillez de débloquer en fonction de ce que vous voyez. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous me voyez plutôt jouer Kwang en solo ou alors peut-être un ADC comme Murdoch. Mais comme j'ai quelques soucis de visée, je pense pas que je vais aller dessus quand même. Rock, c'est ça que j'avais fait. Hein. On va repartir sur quelque chose qui fonctionne. Ça c'est trop cher. Ça aussi. Ça aussi. Donc on va aller sur. Attendez. Starting game. On peut prendre ça. Vie. On peut prendre ceci. Non, ça sert à rien. Ça, non. On va prendre plutôt ça. Acheter. Et on va prendre une petite potion de famille. Et avec ça, on est bon. Alors, je vais prendre le saut pour éviter de mourir. Attendez. Ouais, la prime. Donc c'est par là que je dois aller. Ouais, c'est là que je sais qu'il faut me rendre. Et en même temps, on va passer par la jungle. Bah, prends des persos corps à corps. Donc c'est plus adapté à ton style de jeu, je trouve, en fait. C'est beaucoup plus fun. Ok. Très bien. Alors, je vais réfléchir à ça tout à l'heure, juste après la partie, hein. En espérant qu'elle me sera tout aussi favorable, cette game. Voyons voir. On va mettre une vision là. Bah, je trouve que j'ai posé un peu trop bas. Enfin bref, c'est pas trop grave. Ça reste quand même une bonne visibilité pour moi. Ok, bon. Je vais prendre Kwang alors. On va partir sur Kwang, hein. On va partir sur Kwang. C'est un perso que j'aimais bien jouer. Il me fait penser à Minato, justement. Pour ceux qui connaissent un peu. Petit clin d'œil à la série Naruto. On va freeze un petit peu. An enemy has been slain. Ça commence bien, ça. Sa fille d'en face. Ah, tu freezes, Coco. Non. Je pense pas qu'il freeze. Attendez. Hop. Ils sont en train de m'entourer là, j'aime pas ça. Ils peuvent me body block. Oh mince, j'ai raté. Ok, on peut prendre le lasso. Le lasso de notre pote Gary Stone. Ah! Mince, qu'est-ce que je fais? Je pensais que j'étais AD. Je pensais que j'allais faire une attaque à distance. Oh non, là ça équilibre. Échange. Parfait. An enemy has been slain. Tower is under attack. Parfait. Je regarde un petit peu. On va écraser, on va faire écraser un peu. Voilà. Allez, hop. Voilà. On va pouvoir back. C'est un peu tôt, je trouve, mais. Mais Kwang est cool également. Greystone est vraiment sympa aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, on va mettre un peu de hein, énergie armor. Physical armor, non. On va plutôt prendre un peu de dégâts. Hein. Starting. On va prendre ceci. Quoi? Pourquoi je peux pas? Je comprends pas. Bon. Pas grave. On va prendre force physique. Prendre ceci. Je trouve que je suis un peu trop gentil pour l'instant. Ça ne va pas. Allez, on va pouvoir prendre ma vague. Je vais pouvoir récupérer, pardon, ma vague et farmer. Il me faut les bottes. Je suis beaucoup trop lent. Il faut pas que j'oublie ça. J'aurais dû prendre les bottes avant même. Allez, grouille-toi. Je suis trop lent. An ally has been slain.
Parfait. Parfait. Ok. Ah, comment je rate mes last hits là? Parfait. Allez, on va pouvoir prendre la vague si je peux tout avoir. Oh, comment j'ai complètement manqué. Ah, j'ai oublié de prendre mon ulti. Ça, c'est mal joué de ma part. Tu claques ton lasso un peu trop tôt, Coco. Mince. Parfait. Attendez. Ça, c'est une bonne vision. C'est une bonne ward, ça. J'ai de la vision, donc je peux me permettre d'être un peu... voilà. D'être un peu avancé, là. Pourquoi il attaque comme ça? Il est fou, quoi. Complètement taré, hein. C'est ce qu'il fait, là, c'est dangereux. Allez! Ça me saoule quand je rate comme ça les last hits faciles. J'ai vraiment posé une bonne vision, je trouve. Non, ça tour prend cher, hein. Ok, on tempo un peu. Parfait. Oh! Parfait. Je vois plus personne, c'est normal ça? Il y a pas de jungler en face ou quoi? An enemy has been slain. Attendez, ça fight trop. On est un peu coupé du monde là. Allez hop, on va un petit peu. Voilà, on va un petit peu l'agresser. Parfait. Ok. Ok, un petit peu. Parfait. Ah, j'ai plus de vision. Ok. Faut que je tienne compte de ça. On va quand même... ah, dommage. C'est bien. Je vais quand même tenir compte du fait que... il prend cher, hein, le mec en face. Parfait. Allez, allez. Vas-y, allez-y, mes mignons. Je peux back, hein. Ouais. Allez. On va pouvoir s'équiper... correctement, cette fois, avec des bottes. J'ai pas oublié. Déplacement, ça c'est quoi? Non, c'est trop cher. J'ai pas demandé un truc aussi cher, les amis. Attendez. Non, qu'est-ce qu'il me fait, là? Je veux un truc de déplacement, je vais prendre ça. Voilà, attack speed. On est bon. Ça, on peut se déplacer. Alors, est-ce que... Bon, je vais prendre d'abord le farm ou pas? Ou alors je vais direct au mid. J'hésite. Ça se fight au mid? Non, ça se fight pas. Non, ça gank pas, c'est calme. Attendez, il s'est mal placé. Je vais aller au mid. Ah non, il se casse. Il se casse. On va mettre une vision. Ah, je sais pas.
34 secondes avant de pouvoir avoir droit à la vision. Bien joué, notre Twini qui fait du bon boulot. Attendez, hop. On va prendre la vague. Il a raison de... Parfait. Voilà, on attire un petit peu les mignons. Attendez, je vais reculer, je vais faire la chèvre. Je vais reculer un petit peu. Faire comme si voilà, j'avais peur. Comme ça, mon pote va venir gank. Voilà. Pas terrible ton gank, hein, mon pote. Pas terrible. Allez, on va prendre la tour. Non, je vais pas te taper. Tu crois quoi? Je vais pas te taper. Bien sûr que non, je vais pas te taper dedans. Je suis pas con. Allez, on va mettre une bonne vision là. Ouais, c'est dangereux de back comme ça, mais je peux me le permettre. Hein. Non. On va prendre cette vague d'abord. Et puis après, on verra. Parfait. Allez, allez, allez. Ok. Allez, allez. Très bien. Ah! J'ai failli faire toute la vague. J'en ai manqué un. Allez, on va quand même écraser. Voilà, faire accélérer un petit peu. Et on va aller s'équiper. On va aller s'équiper tranquillou. Ok. Ça, c'est pas cool, par contre, ce que j'entends là. Hop. Hop. Qu'est-ce qui... Ouais. On va aller dans dégâts, force physique. Si je prenais... Voilà, on va prendre un peu de drain. Et je vais prendre encore un peu de dégâts. Voilà, j'avoue complètement zappé les faveurs. On va prendre un peu de drain. Ouh là là! Il commence à prendre ses aises là à droite là. Il suffit que je me replie pour. Ah ça, il va me le payer ça. De quel droit? Oh non, il commence à rattraper là, le retard. C'est vrai que j'ai pas beaucoup décalé pour l'instant. Et ici, je reste toujours sur une note neutre. Il y a eu quelques tentatives de gank, mais ça n'a pas porté ses fruits. Enfin. Bon allez, s'il vous plaît, gankez bien au moins. C'est des tentatives à chaque fois, mais... Tentative manquée à chaque fois. 5, 4, 3, 2, 1.
An enemy has been slain. Ça c'est bien, j'aime bien entendre ça. Ok, on va pouvoir avancer la ligne ici. Parfait, ça, Richter fait du bon boulot au mid. On écrase la ligne et puis je décale. Mais je décale seulement après avoir pris ma ligne. Après avoir, pardon, couché ici. Voilà, la tour. Après là, on va décaler. Non, j'ai pas back. Enemy tower destroyed. On va pouvoir prendre la tour. Donc c'est pas le moment de back. La prochaine vague sera la bonne. On va hop, accélérer la prise de... Voilà. Allez, viens, viens, viens. Pourquoi personne ne vient ici? Hop là. Personne ne vient le... Ah si! Attendez, je vais rester faire la chèvre. Mon pote va arriver. An ally has been slain. Ok. Non, cette fois tu pars pas. Et le lasso. Et le lasso. Voilà. Parfait, parfait. Oh, dommage. Dommage, dommage. On va prendre la tour, hein. Ouais, on va la prendre. Allez, allez. 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 Dommage que notre pote soit mort après les avoir tués. Allez, on prend la tour, hein. Enemy tower destroyed. On a fait du bon boulot, là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop là. Je prends. Je vais prendre un petit peu d'armure parce que j'en ai envie. Et parce que en face, bah, y a beaucoup de... Enfin, c'est surtout sur le plan physique, en fait. On prend la faveur. An allied tower is under attack. Surtout sur le plan physique que l'adversaire frappe, sur ma ligne en tout cas. Donc voilà, on va se faire plaisir. Je vais pouvoir décaler, hein, mais... Je vais quand même prendre... Ah non, bon, ok, mes potes sont en train de prendre la vague. Est-ce que je peux mettre la vision? Pas encore. Ah non, il prend pas ma vague. Ok. Tiens, tiens, tiens. Je fais que passer. Salut. Comment ils te suivent jusque-là? C'est bizarre, ça. Je vais mettre une vision quand même. An enemy has been slain. Ah non, ils vont pas prendre la prime. Oh, ma tour. Ma fameuse tour. Ah, oh, j'ai déconné. An enemy has been slain. Je connais le saut. Est-ce qu'on ferait pas un raptor ou deux? Ah! Cette fois, je vais y aller. Hein. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Parfait. Ouais, merci. Parfait.
parfait. On va monter la ligne. Ah ben voilà. Hein. Deuxième victoire. On est bon là, on est bon. Oh là là. Ouf, ouais, bah, ça me sourit bien là. Allez, je vais faire une pause. Oh là là, on va peut-être streamer ce soir ou pas. Mais en tout cas, deux belles parties. Et je commence à m'endormir. Donc voilà. Alors, si évidemment ça vous plaît, tout ce que vous voyez, n'hésitez pas, hein, comme toujours. C'est simple. Il suffit de simplement me suivre sur Twitch avec un petit follow. Ça fait plaisir, ça m'encourage aussi à pouvoir vous proposer d'autres vidéos. D'accord ? Alors, si c'est sur YouTube que vous avez la rediff, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche pour justement avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Portez-vous bien, la santé sur vous et de joyeuses fêtes surtout. Et que ce soit en famille ou entre amis. Salut. Ciao, ciao tout le monde.